Salut à tous, c'est Bysanka. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. On va parler de la nouvelle mise à jour 8.11 qui a eu lieu ce matin. Petite mise à jour donc de 200 mégas sur PC, PS4, Xbox, j'en ai aucune idée. Dans cette mise à jour, du coup, on a une nouvelle arme, le pistolet à silex. Je vous l'ai présenté il y a plusieurs jours, on le voyait dans l'actu jusqu'à maintenant. Il est disponible, donc le pistolet à silex est arrivé. Attendez le moment parfait pour projeter vos ennemis ou vous-même en arrière avec cette nouvelle arme. Elle a un recul qui est abusé. Je vous mets un clip que j'ai trouvé sur Twitter, ça a été partagé par Fortnite et vous allez voir la puissance de l'arme, c'est juste abusé. Donc le pistolet à silex, franchement, il a l'air dingue. Disponible en variante typique et atypique, se trouve dans les butins au sol. Repousse le tireur, peut également repousser la cible si elle est assez proche. Plus vous êtes proche de la cible, plus elle sera repoussée loin. Le tireur peut s'accroupir pour ne pas être repoussé. Donc franchement, c'est pas mal, on peut tirer et se repousser du coup, même limite, pour essayer d'esquiver la tempête et aller plus vite dans la zone. Et si on se met accroupi, du coup, on peut avoir un shoot plutôt méchant. 86-90 points de dégâts à courte portée. Réduction importante des dégâts en fonction de la distance, nécessite d'être rechargé après chaque tir, 3 secondes de rechargement, utilise des munitions lourdes. Donc au niveau du rechargement et tout, c'est plutôt long, j'ai l'impression que c'est une arme assez... pas comme un sniper, et limite comme un fusil à pompe sniper, tu vois ce que je veux dire, entre les deux. Donc donnez-moi vos avis sur ce pistolet à silex, franchement comme je vous l'ai dit, j'ai hâte de le tester, juste après on ira le tester ensemble, mais donnez-moi un peu vos ressentis sur ce que je viens de vous dire. Ensuite ici on a aussi les grenades répulsives qui ont été réintroduites dans le jeu. La puissance des répulsions contre les véhicules a été augmentée de 344%. Donc, honnêtement, si tu jettes une répulsive sur un mec qui passe en overboard, ça peut faire des dingueries. Ensuite on a aussi du coup la puissance des répulsions des armes explosives contre les véhicules qui a été augmentée de 233%. Ensuite on a le fusil d'assaut à lunettes, donc la COG. Les dégâts de base ont été augmentés de 24-23 à 27-26. Franchement, je trouve ça plutôt cool. Et réduction du taux d'apparition du coup de la bulle mobile de 100% à 50%. Donc ça, c'était au niveau des armes et des objets. Ensuite, le mode temporaire coup fatal. Donc le petit résumé, la gravité est plus faible. Chaque joueur a 50 PV. Les fusils de sniper sont les seules armes et les bandages sont les seuls objets curatifs. Sautez haut et visez bien. Détail du mode, la gravité est plus faible. Le temps d'attente dans la tempête a été grandement réduit tout au long de la partie. Les seules armes disponibles sont les fusils de chasse et les fusils de sniper. Les fusils de sniper semi-auto et les dalles de rebond ont été réintroduits dans ce mode. Donc des armes qui ne sont plus disponibles du coup en solo, duo et squad. Et les joueurs apparaissent avec 50 PV, ne peuvent se soigner que s'ils trouvent des bandages. Il n'y a pas de popo, quand on fait un kill on récupère pas de la vie. Franchement une balle t'es mort et en plus en duo du coup tes potes ne peuvent pas te réanimer. Donc franchement c'est un mode assez aléatoire mais il y a moyen de faire des kills plutôt cool. Ensuite, au niveau des événements, mise à jour du tournoi, événements de test, épreuve solo et épreuve duo, ajout de deux sessions étendues supplémentaires qui auront lieu 24 heures par jour, donc du 19/03/2019 à 1h du matin, jusqu'au 23/03/2019 à 1h du matin, donc pour l'heure centrale européenne. Et la deuxième date, c'est le 23/03/2019 à 1h du matin, jusqu'au 26/03/2019 à 1h du matin, pareil, heure centrale européenne. Un nouveau tournoi du coup Coupe Cœur Noir pour les 23 et 24 mars, 100 000 $ de prix. Pour participer à cet événement, vous devez avoir figuré parmi les 3% des joueurs les mieux placés mondialement de toute session d'un événement de test épreuve avant le début du tournoi. Donc ensuite, les cash prizes seront distribués sur toutes les régions de serveurs. Des détails seront publiés plus tard dans la semaine avec les règles officielles des tournois. Au niveau des formats, le premier jour, le 23 mars, il y a une manche, tous les joueurs seront éligibles. Et le 24 mars, manche 2, les 3000 meilleurs joueurs de la manche 1 seront sélectionnés du coup pour s'affronter. Participer au tournoi à l'événement de test épreuve nécessite désormais un compte de niveau 15. Avant, il fallait un compte de niveau 10. Ils ont préféré augmenter le niveau pour pas que les personnes recréent des comptes et aient eu plusieurs chances du coup en mode tournoi. Ensuite, au niveau du son, correction de bug, correction d'un problème à cause duquel le son du grappin de la bulle mobile se déclenchait deux fois lorsqu'il se détachait. Donc, histoire de faire un peu moins de bruit quand on arrive près des ennemis. Au niveau des arts et des animations, augmentation des contrastes dans la zone ombragée, augmentation de l'éclat des couleurs, tout le reste, honnêtement, c'est que des petites corrections de bugs qui sont pas très intéressants. Je vous mettrai du coup le lien du patch note dans la description. Ensuite, au niveau des leaks, les prochains skins, on n'a pas vraiment d'informations. On sait qu'il y a des skins qui sont cachés dans le jeu. Du coup, dans la mise à jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouveaux skins. J'espère pouvoir vous présenter les skins cachés prochainement. Mais on a trouvé un camouflage, donc un revêtement d'armes
Il est juste ici, je vous le montre. Franchement, plutôt sympa, pas dégueulasse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On dirait un peu une arme en métal rivée. Franchement, plutôt cool. Et voilà les potes, on arrive pratiquement à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Gros pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à la partager pour montrer les nouveautés à vos potes. Et du coup, encore une fois, un gros merci à toutes les personnes qui utilisent le code créateur BY100K dans la boutique. Ça fait super plaisir. Je vais vous laisser du coup sur un gameplay avec le nouveau revolver. Ce fameux pistolet Silex, il est juste énorme. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est cool ou si c'est une arme que vous n'allez pas trop utiliser in-game, puisque ça va prendre un slot dans l'inventaire. J'espère en tout cas qu'elle va vous plaire. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game, et ciao tout le monde. Mais il nous fait quoi? Il se bloque plus qu'autre chose. Vas-y, monte ta tête à un moment donné au lieu de monter là. 56. Ah, il a une... Oh, il a le gun, vas-y, let's go! Il est à quel niveau là? Il monte à l'étage. Ouais, je vois. Il a fermé une porte. Il est où? Il est en dessous. Attends, j'ai une bonne idée. C'est bon. Bouge, 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 bouge! Wesh. Oh ouais, la classe! Où ça? Il arrive. Attends, je lui mets une tête! Attends, attends, il a pas l'air de savoir bouger. Bouge pas. Vas-y, monte. Oh, attends, je recharge. Ah, il a un snipe. Attention. Il est où? 98 dans sa bouche! Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Il bouge. Putain. Oh, le recul. Là, je me mets accroupi. Aïe. Non! Il te finit pas, ouais? Non, non. Bah, en fait, c'est que j'ai bougé. T'es où, t'es où, t'es où? C'est de ma faute. J'ai voulu tester le gun. Non, c'est moi en fait. C'est que j'ai pas switché sur le gun. Moi, elle avait du shield 98, mais je suis pas sûr que j'ai eu sa tête. Je sais pas. Mais c'est dans quelle couleur quand même? Il est gris. En plus. Ouais, de fou, il est gris en plus. Ah, y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec. Attends, je recharge. Ah, il m'a vu, je crois. Ah, oui, là-haut. Ah, mais je tombe. Je recharge. Tu l'as aussi? Ah, t'as pris le... Ah, le gars, il va se faire... Rush par deux mecs au pistolet. Il y a moyen de faire des moves de dingue, du coup, tu... Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Répulsive. Ouais. Ah, dégâts de chute, cet enfoiré. Putain, il est long à recharger. Ouais, 3 secondes, je crois. Que j'ai... Ah, c'est ça. Les deux, là, ils ont pas de shield. Ah, c'est tranquille, toi. Il est où? Il y en a un, deux. Ouais. Voilà. Dégage. Yes. C'est pas la folie. Hein. Non. Après, il est que en gris. Parce que j'ai que trouvé en gris. Non, il est en vert, moi je l'ai eu aussi tout à l'heure. Je crois qu'il y a que deux. Ouais, c'est deux couleurs là. Ouais, banana, je t'ai vu. Ah ouais. Ouais. Y'a quoi maintenant? Un coq power. Ah, j'ai eu le petit gun là. Dommage, je l'ai pas vu se projeter au loin là, comme c'est écrit dans le... Oh, ça j'aime bien. Mais petit, je te vois par contre ton pote.
Oui. La coque, c'est cheaté, gros, je te dis, c'est trop bon. Ouais, celle-là, elle est devenue bien. Merde. Ah ouais, boule grappin, il est où le mec? Je l'ai tué. Droite, je crois qu'il est parti. Dans l'arbre, ouais, j'ai une gumball. Hein? À droite, avance. Et le deuxième arbre à gauche, à droite. Là, regarde, tu vois. Mais le mec en rouge, il est. Ah, je sais pas, c'est peut-être lui, non? Non, je l'ai touché, gros, il est mort. Ah, il est mort? Bah, il est KO. Ah, mais il doit être carré dans un arbre, alors. La merde. Mais vas-y, putain, mon kill! Oui, bon, il était là, regarde, les flingues sont juste là, à droite. Ah ouais, le deuxième loot aussi, du coup, il est où, le deuxième loot? Derrière toi, là, ah ouais, le buisson, là, il était. Ah, elle avait le gun aussi, je crois. Et là, il y a l'autre en boule, encore. Je l'ai pas fini, l'autre avec sa boule. Ou c'était lui? Non, c'était pas lui. Je me demande si c'était peut-être lui, hein.